Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahir. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est le leadership. Alors, un bon leader, c'est quoi? C'est une personne en fait qui va diriger, qui va gérer une équipe et que cette personne va aller au-delà de ses fonctions, de ses responsabilités. Il va inspirer l'équipe et que par la suite, en fait, les personnes qui sont influencées vont devenir aussi par la suite leaders de par leur expérience ou bien au fil du temps. Et que maintenant, on va tout de suite vous donner les conseils et les astuces. Donc, premièrement, un leader, c'est une personne qui va encourager son équipe. Donc, il va donner des directives bien claires pour toute l'équipe. Il va donner les objectifs, les attentes. Il va aussi connaître les aspirations de chacun, chacune de son équipe. Et puis, le leader va toujours essayer de faire progresser chacun et chacune. Il faut noter que dans une équipe, il va avoir une multitude de profils, une multitude également de personnes avec des personnalités. On a par exemple des stagiaires, des personnes qui sont nouvellement recrutées, on a des juniors, on a aussi des seniors, des personnes qui sont très rodées dans leurs fonctions. Et il se pourrait que dans le même département, il va y avoir peut-être des mésententes, des petites compétitions, mais que le leader, il est toujours là pour bien canaliser en fait l'équipe, pour bien harmoniser toujours le travail d'équipe. Et il doit être toujours l'accélérateur de performance de chacun et chacune. Par exemple aussi, lors des sessions de travail ou lors des réunions, il va y avoir des membres de l'équipe qui sont, on va dire, un peu bavards, qui parlent beaucoup, et que le rôle du leader est justement de bien gérer le timing de chacun et chacune pour parler juste de l'essentiel. Et il se pourrait aussi qu'il y a des personnes qui sont un peu introverties dans les groupes, dans l'équipe, et qu'il faut essayer aussi d'aider ces personnes pour s'exprimer, pour bien exprimer leurs idées pendant les réunions. Maintenant, on va parler du deuxième point. Il est très important de communiquer et puis de partager des connaissances. Le leader, il est là d'abord pour bien expliquer les visions et puis les objectifs. Et puis, il faut toujours bien transmettre donc, les connaissances, surtout au niveau des personnes qui sont nouvellement recrutées. Et donc, il faut former de temps en temps les personnes de son équipe. Il faut organiser aussi de temps en temps, si on a le temps, si on a l'occasion, des séances de team building, par exemple, ou bien faire des séances de brainstorming où on va s'échanger les idées. Maintenant, on va passer au point suivant. Il faut toujours encourager la créativité et l'innovation au sein des sociétés, au sein des équipes. Lorsqu'on parle de nouvelles idées, en fait, quand on n'a pas trop la valeur dans l'entreprise, on a toujours tendance à penser que c'est un peu compliqué, qu'il faut vraiment un budget pour avoir des changements. Mais en fait, c'est une mentalité qu'on doit avoir au quotidien, dans ce qu'on fait au quotidien. Par exemple, si on est dans le design ou dans la communication, on peut par exemple apporter des touches personnalisées au niveau des couleurs, au niveau de la forme, par exemple, des prospectus, des brochures. Par exemple, si on est dans la vente, on peut améliorer un peu la façon de quand on rédige les argumentaires, par exemple. Si on est dans l'ERH, par exemple, on peut faciliter des procédures. Et donc, nouvelles idées, c'est vraiment dans la manière de penser de tous les jours pour chacun, chacune des membres des équipes. Et que le manager, le leader, il est là, en fait, pour toujours transmettre cette valeur par rapport à son équipe. Maintenant, on va passer au point suivant. Il est important, en fait, d'avoir la culture de feedback pour chaque équipe. C'est-à-dire, il est important de savoir recevoir des critiques, que ce soit positif ou négatif.
Il faut que les critiques soient constructives et puis il faut aussi savoir accepter donc des critiques de la part des collaborateurs, de la part de son manager, de la part de toute l'équipe en fait. Et que l'objectif en fait c'est de toujours avancer ensemble. Et lorsqu'on fait des échanges concernant tout ce qui est critique, feedback, il faut aussi savoir apprécier les efforts de chacun et chacune dans notre équipe. Maintenant, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Il est important en fait que les leaders font dégager une attitude positive, on va dire la bonne humeur pour toute l'équipe. Il doit être aussi capable de capter en fait lorsqu'il y a des ressentis ou des a priori au niveau des équipes, lorsqu'il y a des petits changements de comportement ou changements d'habitude. On va dire que le leader doit être alerte par rapport aux petits changements. Éventuellement, il peut approcher chacun, chacune des équipes lorsqu'il voit qu'on a des a priori, il y a quelque chose qui change dans l'équipe. Et il faut toujours que le leader garde le dynamique du groupe. Et il faut toujours aussi qu'il motive en fait les membres de son équipe. Et maintenant, on va passer au point suivant. On va voir un peu en détail donc les qualités d'un bon leader. Il est vrai qu'il n'existe pas de portrait très spécifique pour être leader. Ça va dépendre de nos expériences, mais toutefois, il faut avoir une qualité de meneur, en fait, d'un bon communicateur, parce que en fait, on a à gérer une équipe, donc on doit savoir bien exprimer les visions, les attentes, les objectifs de chacun, chacune. On doit être capable d'aider son équipe. On doit aussi être quelqu'un de humble parce qu'on est toujours à l'équipe de son équipe. Et puis, on doit aussi accepter aussi les critiques éventuellement si les critiques sont positives ou négatives. Voilà donc en général notre présentation concernant des conseils sur le leadership, comment être un bon leader. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons également une bonne suite de programmes. Et à titre de rappel, donc chez Corban, nous avons des formations en management, en coaching, en team building, en leadership. Et puis n'hésitez pas de nous contacter si besoin. Voilà donc, et merci bien à vous. Au revoir.